Alors, tu sais qu'on entend le mot leader en anglais. Oui, c'est exact, leader. Leader. Tu me diras pourquoi ça se prononce leader, on pourrait se poser la question. Ouais. Parce que là, ils n'ont même pas de i. Ouais, c'est ça. C'est normalement, ça devrait se prononcer leader. Mais bon. Par exemple. Par exemple, voilà. Alors, est-ce que. Bon, tu sais que c'est un mot qui n'est pas français, leader. Non, c'est vrai. C'est un peu gênant d'avoir employé ce mot-là. Ouais. Est-ce que. Tu connais un mot français qui ressemble à leader et qui pourrait remplacer le mot leader, qui lui ressemble quand on le prononce, quand, ouais. Quand on l'écrit. Leader. Oui. Videur. Non, mais qui veut dire la même chose. Ouais. Hein, la même chose. Un mot français qui ressemble à leader. Ouais. Et qui a le même sens que leader. Leadership, enfin le. Ouais, qui est du français. Alors réfléchis, comment est-ce qu'on. Je sais pas. C'est, normalement, tu devrais trouver. Tu devrais trouver. Ouais. Enfin, il faut quand même être en forme. Ouais. Alors, leader, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que c'est qu'un leader? Tu réfléchis. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est un peu comme un conseiller, un leader. C'est un. Non, c'est plus que ça. C'est un chef. C'est un chef qui dirige. Même. Oui. Ouais, voilà. Alors, c'est un dirigeant. Quoi. Quels sont les mots français qui veulent dire diriger et qui ressemblent à leader au niveau de du son. Manager. Qui ressemble à leader. Leader. Manager, ça ressemble pas à leader. Non. Ah, je vois pas là. Je... Non, mais ça m'étonne pas. Mais ouais. Alors, essaie de. On va te mettre sur la voie. Les gens qui appartiennent à la classe supérieure, on les appelle comment? Ah oui, les intellectuels. Les élites. Les élites. Ouais. Oui. Ah oui, par exemple, oui. Les élites. Élite. Et leader. Ça ressemble à leader. À leader, oui. Ça s'entend. Il y a leader, élite. Élite. Et il y a le L, ouais. Le D, le T. Le D, oui. Donc, au lieu de dire leadership, tu peux dire l'élite. L'élite, oui. Oui, c'est vrai que c'est pareil. Enfin, ça définit la même fonction, on va dire. On n'y pense pas. On n'y pense on pas. On pense pas de remplacer. C'est vrai que ça ressemble. Ces deux mots-là font relier la même fonction de, oui. De dirigeant. Et c'est plus joli de dire l'élite que le leadership. Oui, c'est vrai que c'est plus classe. En ouais. Français. Ouais. Leader, ça fait un peu américain. Voilà, machin, ça fait un peu emprunté. Enfin, anglo-saxon, voilà. Oui. Ouais. Donc, voilà comment on pourrait. Remplacer des mots qui se ressemblent, ouais. Avec un autre mot qui n'a rien à voir. Alors, élite, quels sont les. En plus, l'avantage de élite, c'est que ça renvoie à d'autres mots. Ouais. Quels sont les mots qui renvoient à élite? Élite? Quel est le verbe qui correspond à élite? Alors, le verbe là. Un verbe qui veut dire la même chose qu'élite. Génie, par exemple, je sais pas. Non, un verbe de la même racine, mais du même genre qu'élite. Ouais, je vois pas le verbe. Mais enfin. Pour toi, le mot élite, tu sais pas d'où il vient. Élite, ben si, c'est un mot qui a été écrit par des philosophes. Non, mais il a pas. Quels sont les mots de la même famille qu'élite? Élite, ben élire. Ben oui. Par exemple. Bah, tu vois, tu y penses pas. Ah oui, c'est ça. Tu vois, élire, élite. Élite, voilà. Et l'élite, c'est des gens qui sont élus. Élus. Ouais. Enfin, d'ailleurs, du peuple élu. Ah c'est ça. Peuple d'élite. D'élite. Donc voilà, donc je pose pas une question aberrante. Non, non. Tu aurais pu trouver, tiens, bah, élite, élire. Voilà. J'ai trouvé ça. Et voilà. Élite, élection. Élection. Mais c'est la même race, c'est la même famille. Oui, c'est les mêmes mots qui c'est la même famille, donc c'est beaucoup plus intéressant. Ils se contractent différemment. Élite, parce que tu as tout un ensemble de mots qui vont avec. Ah, c'est ça. C'est pas leader tout court. Ouais. C'est un ensemble. Voilà, on peut arrêter, s'il te plaît. Parfait.